nature n'est plus sacrée que la rivière. De toute sa vie, elle n'est jamais calme, mais toujours changeante. Et si elle disparaît, elle est toujours un peu là. Elle change simplement son chemin vers un autre qui lui convient mieux. La rivière nous purifie, corps et âme. Et si votre corps et votre âme sont libérés de leurs péchés, la rivière ne vous prendra pas même une respiration. Vous passerez une Je ne dirai jamais le jour où j'ai trouvé la foi ici. Sans déconner. Notre famille ne vit pas dans un nuage numérique. Notre famille refuse les réseaux sociaux. J'ai entendu le serment. Notre famille ne juge pas ce que vous portez, tant que vous pouvez vous habiller. Notre famille ne juge pas ce que vous mangez, tant que vous mangez à votre faim. Nous connaissons la vie. Nous savons que vous êtes tous importants. Vous êtes tous intéressants. Vous êtes tous fantastiques. Et capable. Et formidable. Quelque chose approche. Vous le sentez, n'est-ce pas? Le monde est sur le point de basculer. Et nous ne faisons rien. Nous ne voyons pas notre obsession. Notre obsession pour la consommation. Tel un gouffre sans fond. Il nous faut le meilleur téléphone. Et pour aller avec une montre toute neuve, ou encore de belles lunettes, et pour ranger tout ça, il nous faudra un nouveau sac. Bien sûr, nous voulons la musique en ligne, les séries en ligne, les films en ligne, les infos en ligne, les opinions en ligne, la vérité en ligne, et les mensonges. Encore, encore et encore. Pour le faire. Il se cache à côté de ce bâtiment.